Rebonjour à tous, bienvenue à Copenhague, bienvenue au Danemark pour ce deuxième match de la journée entre le Danemark à domicile et la Finlande. Un match 100% nordique, un duel de nordique cet après-midi à l'Ebden Park. Mais tout d'abord, place aux hymnes, on se retrouve juste après. Du beau monde des deux côtés, surtout du côté du Danemark, avec évidemment Christensen, Poulsen et Braithwaite. 8 dons points sur les ailes Poulsen et Braithwaite. Évidemment, Eriksen et Delaney sont de la partie. Un match qui risque d'être très intéressant. Maintenant, la composition de la Finlande. Il y a des joueurs qu'on connaît beaucoup moins, mais qui risquent d'être dangereux aussi. Pukki et Poyanaplo. Poyanpalo en pointe. Ce sont les Danois, les Finlandais, et ce sont les Danois qui vont donner le tournoi à domicile. Comme quelques équipes dans ces tours qui seront à domicile lors de ces phases de poule. C'est parti pour ce duel nordique Danemark-Finlande. Après le match nul entre le Pays de Galles et la Suisse, on a hâte de voir ce que ce match va nous donner comme résultat. Le ballon complètement raté, l'interception de Uronen. Ratiala. Rajuri, Sparv, Chokdesi, Rajuri, Sparv, Chokdesi, Uronen, Toivo. Toivo, l'interception de Mahul, faute signalée par l'arbitre alors qu'il n'avait pas l'air d'y avoir grand-chose quand même. Il a l'air d'être complètement sur le ballon. Vraiment pas grand chose, Mahul qui proteste, c'est assez logique. Il y a vraiment pas grand chose sur cette action-là. Coup franc très loin pour les Finlandais. Chokdesi. Sparv, Chokdesi. Ratiala. Rajuri. Lod. Ratiala. Avec le bon ballon pour Lode qui va pouvoir peut-être centrer. Ratiala encore. C'est Ratiala, pardon, Camara. Lode. Et le dégagement, mais le ballon récupéré par Sparv. Le ballon toujours pour les Finlandais. Que Uronen. Sparv. Uronen. Attention, l'interception de Brice pour être impeccable. Christensen, Daniel Vaas, Poulsen. Poulsen toujours qui s'échappe sur l'aile, qui se débarrasse de Camara sans grande difficulté. Et l'interception de Camara. Le bon retour du défenseur finlandais. Sparv, Uronen, Toivo. Et interception derrière avec Christensen maintenant. Mahul. Braithwaite. Braithwaite toujours. Interception impeccable de Sparv. Le ballon pour Pukki. Et le bon tacle de Mahul. Devant l'attaquant de la Finlande. Vaas. Poulsen.
Auberg. Wind. Contrée. Et le ballon toujours pour les Danois avec Vaas. Poulsen. Vaas. Vaas, interception de l'eau. Déjà, il a trop tergiversé. L'ancien joueur de l'Evian Tolonguer. Le long ballon pour. Payan Palog, parfaite balancée! La bonne parade de Schmeichel! La bonne parade de Schmeichel, parce que là, c'était parfaitement joué de la part des Finlandais. Et ballon bêtement perdu par les Danois. Touche pour la Finlande. Qui, pour l'instant, a eu la seule occasion du match pour l'instant. Et Toy Void. On s'en fiche. Uronen. Interception de Robbjerg, encore une faute. Signalé contre le Danemark. Alors là, il va falloir m'expliquer, monsieur l'arbitre. Ça fait deux fois. Oh, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Et Martin Braithwaite qui proteste. Assez logiquement. Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Et quand même, le deuxième coup franc très généreux sifflé par l'arbitre. Pour les Finlandais, le long coup franc de Camara directement sur Robbjerg qui dégage. Ça revient sur Sparv. Interception de Delaney, mais qui glisse. Malheureusement, il faut dire que la météo n'est pas vraiment cet après-midi à Copenhague. Le long ballon pour Poulsen. Interception. C'était bien joué, mais la défense finlandaise était bien dans le coup. Rajuri. Shaugnessi. Uronen. Toivio. Oui, Toivio, oui. Sparv. Pouki, l'interception de Christensen qui l'a redonné, le ballon toujours pour les Finlandais. C'est finalement Christensen qui a donné les mots et qui dégage. Nouvelle touche pour les Finlandais. Toivio. Et l'interception impeccable de Maheul, cette fois il n'y aura pas faute. Christensen. Maheul. Interception de Uronen, Braithwaite qui était pas du tout sur le ballon. Ballon de contre pour la Finlande avec Sparv. Toivio. Uronen. Sparv. Camara. Lod. Ryan Palo. Avec Raitala maintenant. Qui cherche l'ouverture. Ce sera pour Sparv. Camara. Lod. Raitala, Lod. Sparv. Camara. Sparv. Raitala. Lod. Camara, Lod. Bonne défense des Danois, parce que pour l'instant, attention. Ryan Palo qui va finir au poste de ballon, c'est pas fini. Brian Palo, la parade de Schmeichel encore. La deuxième énorme occasion pour la Finlande. Détournée cette fois-ci pour le gardien danois. Corner. Pour les Finlandais. Les Danois n'ont toujours pas eu une seule occasion dans cette rencontre alors qu'ils sont largement favoris. Et Schmeichel peut laisser exploser sa joie, il a raison. C'est la deuxième fois qu'il sauve son équipe, même si la première était beaucoup moins compliquée à sortir. Mais celle-là, il fallait être dessus. Le corner. C'est pas terminé. C'est dégagé avec Poulsen. Qui est le premier sur le ballon pour le contre. Pour les Danois qui n'ont toujours pas réussi à pénétrer la surface finlandaise. Eriksen. Robbjerg. Braithwaite. Baheul. Baheul qui s'échappe. Personne n'est là pour l'arrêter. Braithwaite. Delaney. La frappe de Delaney! Sans problème pour Radiki. Enfin la première frappe danoise. Seulement un petit peu moins d'un quart d'heure de l'habitant. Toivio. Camara. Sparv. Poyan Palo. Non, l'interception derrière de Christensen. Et Schmeichel qui dégage. Et avec Poulsen maintenant. Robbjerg. Vaas. On change d'aile avec Braithwaite. Braithwaite qui s'échappe, il va devoir temporiser, il n'y a personne de la surface. Ça y est, les renforts sont arrivés avec Braithwaite de nouveau.
Braithwaite qui fait ce qu'il veut. Il essaie d'emmêler les pinceaux. Il a perdu le vêtement, le ballon tout seul. Et ça donne un ballon de contre au Finlandais avec Toivio. Shaughnessy. Aradjouri. Camara. Raitala. Lod. Raitala. Lod. Et faute, encore une fois, pour la Finlande. C'est déjà la troisième dans cette rencontre. Et cette fois le carton pour Yusuf Poulsen. Et là, ça a l'air déjà bien plus grave que tout à l'heure. On demande la civière, c'est pas bon signe. Alors là, oui, il y a faute. Énorme faute de Yusuf Poulsen qui a pris les genoux de son adversaire. Absolument pas le ballon. Alors, les cartons jaunes, mais est-ce que... Non, il n'est pas sorti, il a eu de la chance. Le coup franc. Et c'est Lode qui a été touché lors de ce tacle rugueux de Yusuf Poulsen. Mais pour l'instant, il n'est pas officiellement sorti. Il est juste en train de se faire soigner sur le côté. Il n'est pas officiellement remplacé dans ce match. Wind qui passera pas à coup franc cette fois-ci. Non, toujours pour la Finlande. Toivio. Alors qu'on approche de la mi-temps, est toujours 0-0 dans ce Danemark-Finlande. Avec une petite domination finlandaise qui n'a pas donné grand chose pour le moment. Toivio. Pukki. Sparve. Raitala. Camara. Raitala. Sparve. Toivio. Très bon tacle de Delaney. Braithwaite qui récupère le ballon derrière. Là, il n'y avait pas faute, monsieur l'arbitre. Il était totalement sur le ballon, Thomas Delaney. Et là, je ne comprends pas le coup sifflé. Il joue totalement le ballon. Bon, ben d'accord. Il a juste mis sa tête sur le genou sur l'adversaire. Mais il n'y a vraiment pas de quoi siffler le faute. Puisqu'il est encore debout. Il est totalement... Ah, ça y est. Et l'autre qui est de retour. Plus de peur que de mal. Le coup franc très bien tiré. Ça passe devant tout le monde. 6 mètres pour Kasper Schmeichel. Le coup franc qui n'a absolument rien donné. Pour les Finlandais, et il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période et toujours pas de but. Un match assez pauvre d'occasion. À la star de Suisse et de Pays de Galles Suisse tout à l'heure. C'est fini sur un match nul et c'est la mi-temps ici à Copenhague, 0-0 entre le Danemark et la Finlande. Et il pleut d'ailleurs. Il pleut d'ailleurs à Copenhague. Il va falloir faire mieux que ça. 2 tirs contre 1 pour la Finlande. Espérons que la seconde période soit beaucoup plus riche en occasion. Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Lors de ces 45 premières minutes, pas de changement à la pause. C'est reparti. 45 minutes pour aller chercher l'exploit. Ou alors le classement sera de 3 pour l'Italie, 1 pour la Suisse, pour le Pays de Galles et peut-être 1 aussi pour la Finlande et le Danemark. Pour l'instant, l'Italie est seule au monde à la tête de ce groupe A. Et encore une... Non, c'est vrai, cette fois, tu touches et déjà un changement à la sortie. Le Toivio est entré de la Palainen. Premier changement du match effectué très rapidement. Braithwaite. Bon ballon pour Wind. Ça ne passera pas. Bonne défense de Camara. Shaughnessy. Ou attention, Wind qui a failli récupérer ce ballon. Ils ont eu chaud les Finlandais sur ce coup-là. Lod. Attention, Poulsen n'a pas recommencé. C'est dans le rouge. Raitala. Et l'interception derrière de Poulsen. Eriksen. Robjerg. Wind. Delaney. Robjerg. Baeul. Long ballon pour Braithwaite. Parfaitement servi. Delaney. Une de Braithwaite qui a bien fonctionné. Braithwaite contré. Et le ballon n'est pas sorti. Et Uronen qui dégage. Directement sur Christensen. Ce serait une touche. Pour les Finlandais. Sparv. Camara. Lod. Camara. Sparv. La Palainen qui vient juste de rentrer. Sparv. La Palainen et l'interception de Braithwaite sans aucun problème.
Christensen. Kier. Christensen. Long ballon pour aller chercher Poulsen. C'est directement sur Aitala. Sparve. Attention, Robière qui va faire récupérer ce ballon. Sans conséquence pour la Finlande qui continue d'attaquer. Camara. Lode. Camara. Sparve. Sparve encore. Camara. Sparve. Camara avec Lode maintenant. Aitala parfaitement lancé qui va pouvoir centrer. Bonne défense de Poulsen, ça ne suffit pas. Camara, Lode. Lapalainen, Sparve. Sparve. Et toujours le ballon pour les Finlandais. L'interception de Delaney. Impeccable. Et Wind maintenant. Eriksen. Poulsen. Eriksen. Vass. Poulsen, Vass. Une deux qui fonctionne bien, l'excellent retour de Lode. Et Poulsen qui perd le ballon. Aradjouri, Camara. Aradjouri. Lode. Aitala. Pouki. Le bon ballon pour Lode sur le côté. Non, c'est Poulsen qui est le premier sur le ballon. Bon retour. Le dégagement de Schmeichel directement sur Sparve, c'est pas très bien joué. Lapalainen. L'excellente défense. Avec Braithwaite. Maheul. Delaney. Christensen. Kier. Long ballon pour aller chercher Poulsen. Encore ballon perdu. Directement sera été là une nouvelle fois. Pouki. Camara. Poyan Palo. Yann Palo, le bon ballon pour Lode. Et le centre est dégagé par Christensen, heureusement, parce que Lode était tout seul. Corner pour la Finlande, alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Et toujours 0-0 et pas de nouveau changement dans ce match. Le corner pour Lode, c'est bien tiré. Delaney qui dégage. Et ce sera. Non, ça ne sort pas. Lapalainen est le premier sur le ballon. Camara pour Yann Palo, Sparve. Oh, l'excellent tacle de Robierg! Il n'y a pas de faute, le jeu continue, Braithwaite. Le contre, non pour l'instant, pas l'occasion de contre pour le Danemark, cette fois peut-être. Braithwaite, Delaney. Wind. Changement d'aile, bon ballon pour Poulsen. Il n'y a personne de la surface. Vass, Poulsen. Le centre. Wind! Ça passe juste à côté! Enfin, première occasion danoise! Un pas juste à côté pour Wind! Le Danemark se réveille à un quart d'heure de la fin! Ce serait peut-être temps, en plus ils sont chez eux! Donc ce serait bête de ne pas montrer du spectacle à la maison! La sortie de Martin Braithwaite et l'entrée de Skovolsen! Premier changement danois et deuxième changement du match! Le long dégagement, il était temps, Poulsen! C'est l'année! Delaney, Wind, non ça passera pas, bonne défense. Payan Palo, pour l'excellent tacle de Christensen sur Pouki. Oula, faute selon l'arbitre. Alors que ça semblait parfaitement régulier, peut-être un carton, non. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien Christensen, même si pour moi il n'y a absolument pas faute, il joue le ballon. Il est très sévère, l'arbitre contre les Danois, ça fait au moins la cinquième faute ou sixième. Qui siffle contre eux, qui est absolument pas faute sur ce coup-là. La sortie de Witt et l'entrée de Kasper Dolberg. On fait entrer les gros bras du côté danois. Le coup franc. Récupéré par les Danois. Vass. Attention, pas jouer avec le feu dans la surface. Maheul. Skovolsen. Le long ballon peut chercher Dolberg. Bien défendu. Allons, nouvelle fois perdu. Huronen. Camara. Pouki, le bon ballon pour Lode sur le côté.
Et non, Vast qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Le bon ballon pour Aitala. Non, touche. Et nouveau changement à la sortie. Youssouf pour le Sénat entrée. Le Damsgaard, troisième changement danois. Alors qu'elle est finlandaise, non, on fait toujours qu'un seul pour l'instant. Robier, attention! Encore une faute, mais c'est pas vrai! Alors cette fois, faute pour le Danemark. Voilà, il va falloir m'expliquer, hein, monsieur l'arbitre. Oui, il n'y a pas grand chose non plus. Décidément, l'arbitre, s'il faut moins des fautes, qui n'existent tout simplement pas. Contact, oui, mais absolument pas faute. Et plus que sévère, cet arbitre, parce que là, c'est pas possible. On n'a plus du match, il ne siffle que des fautes. Le bon ballon pour Thomas Delaney. Skovolsen, qui part comme une fusée, qui passe entrer. Dolberg. Dolberg qui réussit à se retourner. Et la poteau! Le poteau qui sauve la Finlande du but danois. Première grosse occasion pour Kasper Dolberg qui vient de rentrer il y a 5 minutes. Le coaching en plus de payant. Et malheureusement, le sort l'a décidé autrement. Le ballon a tapé le poteau. Et malheureusement pour Kasper Dolberg, ça n'est pas un poteau entrant. Chognessi. Camara. Pouki. Pouki encore. L'excellent retour de Christensen. Delaney en difficulté. Mais qui réussit à donner le ballon derrière à Maheul. Christensen. Maheul. Skovolsen. Delaney. Le dribble. Où les censeurs viennent. Il perd le ballon. Il en a trouvé. Rajouri. Camara. Encore 4 minutes à jouer dans cette rencontre et toujours 0-0. Même si on aurait pu assister à un superbe but de Kasper Dolberg à quelques instants, mais malheureusement, ça n'est pas entré. Interception avec Kjær, Eriksen, Vass, Damsgaard, Eriksen, non, qui perd le ballon, Sparv, Rajouri, Chognessi. Rajouri, Chognessi, le long ballon pour aller chercher un partenaire, mais c'est directement sur Christensen. Une minute de temps additionnel, c'est le moment jamais de passer un coup d'accélérateur pour aller chercher le but de la victoire, qui ferait du bien pour les Danois. Damsgaard, Vass, Damsgaard, le centre, c'est dégagé, ça revient sur Skovolsen, c'est pas terminé. Non, l'arbitre laisse jouer. Maheul, Delaney. Oula, Maheul qui a failli perdre le ballon tout seul. Maheul toujours, qui attend du soutien, il n'y a personne, il va devoir y aller tout seul. Et là, Palainen, il a un dernier mot et c'est terminé. Patch nul, 0-0 entre le Danemark et la Finlande. Si on devait rester là, l'Italie serait seule au monde. Alors, en tête du groupe A avec 3 points et tout le monde a un point. Pour l'instant, l'Italie a fait le match parfait. Seule équipe victorieuse de ces 3 premiers matchs. Donc voilà, je vous laisse avec le vrai match qui commence dans 20 minutes. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour Belgique-Russie qui risque d'être très intéressant. C'était un bon match. Et à ce soir. Salut à tous!